queste moglie in affari ma parla di ballo e un club di un paese, una struttura che ha festeggiato quest'anno i suoi 40 anni. Ne parleremo con i sfarenti educatori e di noi il presidente Filippo Paoli e poi parleremo di noi di rientrata di sfarenti categorie di giovani che giocano a ballo. Ok, Alors cette année, on va se projeter déjà, on va continuer à structurer notre club, hein, comme on l'a déjà fait depuis quelques années, notamment sur l'école de football, puisque maintenant on aura deux responsables de l'école aussi, qui vont accompagner l'ensemble des éducateurs. Puis après, au niveau de nos jeunes, on va essayer d'être ambitieux pour aller un petit peu plus haut. Et puis au niveau de notre équipe première, où on ambitionne au moins de bien figurer dans le championnat de R1, même si on sait que ce sera compliqué, pour essayer d'aller au plus haut et essayer d'installer notre club plus tard au niveau national. L'objectif, c'est quoi? C'est sous la houlette, un peu, en tout cas sous l'exemple de la R1, faire structurer les jeunes avec une R1 qui est quand même dynamique. C'est montrer un peu l'exemple aux jeunes, c'est ça? Alors c'est un double objectif en fait. C'est d'abord avoir une vitrine, avoir un exemple pour les jeunes comme vous le dites. Et puis aussi, surtout, former nos jeunes pour à terme alimenter notre R1 et d'essayer d'être autosuffisant. Voilà. Ces jeunes, en plus, c'est la spécificité un peu d'AFA. On le disait en préambule, il y a une identité qui reste forte ici. C'est essentiellement des jeunes du canton. Alors, on a beaucoup de jeunes du canton. On a pas mal de licenciés qui sont issus de la commune. C'est aussi notre vœu d'avoir un maximum de jeunes de chez nous. Mais voilà, après, malheureusement, arriver à des niveaux un peu plus hauts, c'est compliqué d'avoir 100%. Donc, on essaye de faire en sorte d'avoir une majorité de chez nous et de structurer autour avec des gens d'ailleurs. Ce club, cette année en plus, il a fêté ses 40 ans. Le blason, ça veut encore dire quelque chose, eu égard aussi à l'histoire du club d'AFA. Ah bien sûr, le blason c'est important. C'est surtout important pour tous les anciens qui ont œuvré pour faire ce que l'on est aujourd'hui. On ne serait pas là s'il n'y avait pas eu cette bande de jeunes à l'époque et de moins jeunes qui avaient œuvré pour le foot. AFA c'est une terre de foot, la Corse c'est une terre de foot. Et c'est grâce à tous ces gens et on essaye de faire perdurer ça avec le temps. Et on les remercie pour ce leg et surtout on espère que d'autres prendront la suite plus tard et que ça continuera. Outre 100 licenciati, il club di ballo d'AFA a fatto esaurire l'entrata tra 20 d'agosto e il principio di settembre. E a seguito appare in sicurezza in mani di giovani fatiche appassionati. C'est de l'amusement, du jeu. Je connais tout le monde d'AFA, donc moi ça me fait plaisir de jouer avec mes copains. Et après c'est de l'amusement et tout, donc moi j'adore jouer dans ce club. Voilà, ça m'a pas trop plu parce que je sais pas, j'ai plus personne, j'avais du mal à m'intégrer parce que après j'avais une blessure, du coup j'ai allé pratiquement jamais à l'entraînement parce que je pouvais plus. Et après c'était compliqué pour moi de m'intégrer et tout, donc voilà. Tu te vois pas ailleurs? Non, pour l'instant non. Pour l'instant je suis bien à AFA et voilà. Qua crescita di struttura c'è una necessità adattarsi che da sigue il livello di l'equipamento ma di no di l'inquadramento. Vediamo che ci sono 6 sedili e poco spazio, di minimo e il club è in train di prendere una, diciamo, una dimensione un po' più importante, forse il fatto di dirigenti tutti sono comunque attivi tutto in tutta l'arena e altro, dunque penso che al momento dato il club ha da continuare pure ça e a piare di più importanza. C'è una vera crescita? Sì. E come si spiega questa cosa? Di noi, sono l'educatore di noi che hanno comunque assai qualità e propongono già cose agli belli istruttivi, dunque penso che a lungo andare è tutto beneficio per il club. 40 anni di esistenza paesana, 40 anni di passione e di competizione in sfarente categorie d'età, tutte domeniche se nella squadra di Regionale 1 capivilla di Luis Caffà, l'ispirazione di più giovani.